Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Je suis allée à Carrefour, ensuite au marché pour acheter les autres éléments. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et pendant mon chemin, je suis passée dans un restaurant chercher du héros. Parce que je savais que le retour de course, le rangement devait me prendre du temps et les enfants n'avaient rien à manger et moi aussi. Donc j'ai acheté le héros qu'on devait manger nous tous avant que je ne cuisine. Donc juste après ce retour de course, j'ai cuisiné les pommes sautées. Donc pendant que je faisais tout ceci, j'avais déjà posé la viande au feu quand même. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles, je vis au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le lifestyle camerounais et ma vie de maman. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me soutenir. Pendant qu'on y est, je vous mets les prix de chaque élément à l'écran avec le prix en héros. J'espère que ces prix vont vous aider à faire vos listes de courses et aussi à voir les prix sur le marché actuellement. Et j'aimerais également demander aux mamans qui vivent au Cameroun, maintenant que le Nido, son prix a changé, la qualité du lait a changé, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel lait vous utilisez maintenant. J'ai envie d'arrêter d'utiliser Nido, mais je ne sais pas encore quoi prendre. J'ai vu Broly en poudre, mais c'est la grosse boîte. Je ne sais pas s'ils font la petite boîte. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel lait vous utilisez. Sinon, je vais m'efforcer à prendre la grosse boîte de Broly là. Les trois boîtes d'huile que vous voyez là, j'ai acheté ça parce que c'était en promotion. Bref, il y avait une petite promotion là-dessus à Carrefour. C'est vrai que dernièrement, j'ai acheté 5 litres d'huile, mais je me suis dit, il faut que je profite de cette promotion. Donc, j'ai acheté l'huile à 1450. Par contre, dans les marchés, l'huile est déjà à 1600, 1550. Dans les supermarchés où c'est même moins cher, c'est 1500. Quand je me suis arrêtée au marché faire des achats, j'ai aussi pris des oignons, les crevettes que j'ai déjà mis dans la boîte là. Et il y a autre chose que je vais déballer après pour ne pas saturer mon plan de travail. Donc avant de continuer, je vais servir le héros. On va manger. Donc un bol, c'est pour deux personnes. Et je vais venir continuer à faire le nettoyage du frigo pour tout ranger dans le frigo. Parce qu'entre-temps, le frigo n'était pas très propre. Je vais enlever le bicarbonate de soude qui était dans le frigo depuis déjà quelques jours, que je vais mettre dans la cuvette avec un peu d'eau tiède. Et je vais rajouter de l'eau froide pour que ça ne me chauffe pas les doigts. Donc c'est avec cette composition-là que je vais venir nettoyer le frigo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mamans avec quoi vous nettoyez votre frigo. Moi j'utilise parfois le bicarbonate de soude, parfois le mélange du bicarbonate de soude et vinaigre blanc. Vu que ce sont des mélanges naturels qui n'ont pas de problème avec les aliments. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez. Ceci est non seulement bio, mais c'est aussi une composition faite maison et moins chère. À tous mes nouveaux abonnés, je vous dis merci, je vous vois arriver et je vois les commentaires aussi de nouvelles personnes, des personnes qui ne commentaient pas depuis mais qui sont sur la chaîne depuis un moment. Je vous dis merci. Dans mes courses trimestrielles de dernièrement, comme je vous ai parlé, j'avais acheté les tomates et voilà ce qui me reste au frigo. Au congélateur, j'ai encore quelques paquets. Je l'utilise avec parcimonie. Avec parcimonie parce que la tomate est devenue vraiment chère. Et à mes anciens abonnés, je vous dis merci pour le soutien depuis le début. Merci d'être présent. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre motivation. Vraiment, sans vous, je ne suis rien. Merci infiniment pour vos retours, les amis.
Je vous ai demandé de me poser des questions pour le FAQ. Sur la dernière vidéo, j'ai eu quelques questions que j'ai notées, donc je continue d'attendre pour avoir quand même un max de questions avant de commencer la vidéo FAQ. Sinon, la vidéo ne sera pas longue, ça sera juste quelques questions que je vais vite répondre et je trouve que c'est pas nécessaire. Mais entre-temps, s'il n'y a pas de questions, je vais faire une vidéo d'autre chose où je vais profiter pour répondre à ces questions-là. Mais j'attends encore un peu. C'est moi qui avais dit ici que je ne vais plus acheter les yaourts aux enfants ni les petits jus, mais opter plutôt pour plus de fruits. Mais je me suis rendu compte que mes filles adorent tellement le Dole que je n'arrive plus à m'en passer. Quand je ne peux pas acheter le paquet, je prends quelques-uns. Et voilà que dans ce retour de course, je n'ai même pas acheté les fruits. Ce paquet de mouchoirs est le meilleur en termes de qualité-prix, franchement. C'est le meilleur en termes de qualité-prix. Avec l'inflation que nous vivons là, tout a augmenté. Même les papiers essuie, tout sont devenus plus chers. Mais celui-ci a augmenté, je crois, juste de 150 ou de 100 francs. Les cornflakes du petit déjeuner, je mets dans cette boîte. Et le reste, j'attache dans le plastique et je garde dans mon bac à pâtisserie. Le bac dans lequel je mets farine, sucre, levure chimique et tout, je mets dedans. Quand le bol commence à se vider, je viens donc rajouter. Vous êtes nombreuses à me dire que c'est mieux de garder le lait dans sa boîte ou alors de le garder dans son plastique. Mais moi, je trouve que garder dans le plastique, vraiment, les fourmis peuvent entrer dedans et tout. Je préfère verser dans cette boîte-ci et jeter tout ce qui est papier. Depuis un certain moment, je n'achète plus le lait en boîte. Donc, j'achète les sachets comme ça et je verse dans ma boîte. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, comment vous faites chez vous. Vous savez, c'est une chaîne d'échange et je prends tout ce que vous me proposez. Et je vois ce que je peux pratiquer, je vois ce qui est facile pour moi, je vois ce qui peut m'aider et je prends. Donc pendant que j'évoluais, je me suis dit que j'enlève aussi les biscuits dans le gros carton là. On mange une partie et l'autre je pose au frigo. Une fois débarrassé tout ce qui n'a pas besoin d'être lavé, je reviens donc sortir du sac les autres choses qui vont être lavées. Bon, en dehors de l'ail là qui ne sera pas lavé. Ici également, je vous mets les prix directement sur l'écran, puis je vous mets les prix en euros également. Après avoir tout nettoyé, tout lavé, j'ai rangé dans le frigo. Et voilà l'état du frigo. Ensuite, je suis allée continuer avec ma cuisine. Je devais faire les pommes sautées. Les pommes sont devenues tellement chères que j'ai acheté le seau de pommes. Je sais pas vraiment. On n'a pas pu manger ça 2 jours. Hein. On n'a pas pu manger ça 2 jours. C'était tellement petit, tellement. La dernière fois où j'avais pris le seau de pommes de 2400, c'était beaucoup que ceci. Vous-même regardez la quantité. C'est grave. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout, n'oubliez pas de vérifier votre cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!